Salam alaikum. Salam alaikum. Musulman yama, assalam alaikum. Musulman yama, assalam alaikum. Je salue la communauté musulmane de la Guinée, de l'intérieur à l'extérieur et du monde entier. Assalamu alaikum. Musulman yama, la Guinée kui. La Guinée dina laï. Yamane kui, yamane farma, dunia musulmane bilin. Assalamu alaikum. Mara wuma kuntike wumbe fanga ya bu, alma misa wuma suma. Basse Guinée, à nous, basse Guinée, continue de pire. La population pire dans la langue ira, basse Guinée, l'on est là. Yamane Koui, Yamane Farma, salam alaikum. Bare coordination, continue, coordination, ça gagne pire, continue de rebana, population, ma, assalam alaikum. Je salue la communauté chrétienne de la Guinée. De l'intérieur à l'extérieur et du monde entier. Je vous salue la communauté chrétienne, je salue le Vatican. Tourmati Fanny et ma fancy. Molota, Molota, Kamara, Molota. Tourmati Fanny, RRT, ma fille chérie. Mes fans, vous avez arrivé. Fiston, c'est là. Assalam alaikum. Yo, politologue ni tan en fin fiki. Yo. Alhamdulillah. Mais tan galu mbebe yandi nya elambe mundu. Politologue. Ni tan en fin fin fa fi wo madundurunti. Assalam alaikum. Tu m'as fanyi biri. Si vous m'entendez très bien, je veux voir les signes ici, si vous m'entendez très bien. C'est que Kamara Gandika. Ah, merci, politologue. Si vous me respectez, restez ici pour moi. Toi là, je veux voir tout le monde ici, mais toi, politologue, je veux vous voir ici. J'ai besoin de vous sérieusement. Oui, Carlos, je vous remercie, merci, assalamu alaikum. Tout le monde a son problème, n'y est. Ok. Lui, Carlos, ok. Ok, je salue mes fans. Ok, merci. Merci, Koulibéry. Je salue mes fans. Je salue tout le monde et tous ceux qui me regardent en direct et qui n'arrivent pas à joindre, tomber sur le temps, le direct, je leur salue aussi. Je salue toute la nation guinéenne, de l'intérieur à l'extérieur, je vous salue. Tous ceux qui vont écouter la vidéo là, je vous salue. Je vais commencer d'abord concernant le cas de Guy. Séquestré dans la maison centrale. Le cas du commandant Bab Ali Kamara avec ses amis qui sont dans la maison centrale, séquestré par colonel Mamadi Doumbouya. Ce qui s'est passé, et la fois dernière, j'écoutais une radio guinéenne bien suivie à l'heure là, la radio FIM FM. Les journalistes même cherchaient à comprendre à cause de combien le montant qui fait garder les 10 séquestrés là en prison. Leur question là, vraiment j'ai aimé ça. Ce qui s'est passé dans le problème des 10 séquestrés, le commandant Bab Ali Kamara et ses amis. Il y en a même, leurs familles sont venues me toucher
dans mon inbox en soi disant que c'est la femme ou une de ses cousines qui m'a écrit. Parce que je connais le nom de sa femme, mais cette boîte-là, je ne pense pas si c'est sa femme. La personne m'a demandé à ceux qui ont visité la famille de Zakama Koivogi, soi-disant que ses enfants réclamaient leur papa. Papa ne vient pas, papa ne vient pas. Ça fait pitié, maman dit. Bon, je ne voulais pas du tout faire la vidéo aujourd'hui. En voyant même mon visage, vous allez comprendre que je suis un peu fatiguée parce qu'aux États-Unis, ici, c'est pas facile. C'est pas facile. Si c'est le gouvernement qui paye le loyer ou vous donne la carte à manger, au moins vous pouvez avoir un peu de repos. Mais sans aide, vous pouvez comprendre si la personne se dépend d'elle-même. Donc il faut bosser. Il faut bosser. Vous voyez mon visage, vous allez sentir la fatigue même sur mon visage. Mais je me suis levée aujourd'hui, venir face à vous pour vous donner des renseignements. Parce que moi, je n'ai pas le temps de parler chaque fois. Concernant le cas des 10 séquestrés d'abord, là où le point se trouve maintenant, et ce qui se passe dedans. La fois dernière, avant que leur avocat passe, le problème arrive jusque-là, que toute la nation ouvre leurs yeux sur le cas des 10 séquestrés en prison, commandant Baba Ali Camara et ses amis, grâce à des médias. Grâce à le média. Donc, l'avocat, ils ont fait un rappel. Mais avant rappel, là, je veux que vous m'envoyez, vous taguez la radio et FIM FM. Parce que c'est là-bas que j'ai écouté. Moi-même, je suis allé mettre des commentaires sous la même vidéo. Sous la même vidéo. Avant la libération, la prononciation de leur libération, leur avocat avait fait un appel. C'est dans ça. La chambre a inculpé Bill et Mokhtar Kaba. Maintenant, Bill, là où il y a le problème, qu'est-ce que Bill, lui, le faisait à la présidence le jour du coup d'État? Qu'est-ce que lui, qui lui a dit d'aller là-bas? D'un, il n'est pas un militaire. Il n'est pas militaire. Il n'est pas un cuisinier là-bas. Il ne travaille pas là-bas. Un simple Guinéen, mais qui ne fait pas partie d'aucun de choses de corps en Guinée. Il était toujours collé à son frère comme ça, même à Kaléa, il était toujours collé là-bas, à lui. Mais qu'est-ce que lui, il faisait sous la balle le jour du coup d'État? Et c'est le même Bill là, quand j'ai regardé la vidéo, c'est le même Bill là, qui ramassait les cravates du président Alpha Condé, ses chaussures, ses habillements. Donc le Bill là a été impliqué, lui et Mokhtar Kabas Kartapus. Donc, ils ont donné le charge là à Charles Wright de leur déposer à la maison centrale. Charles Wright n'a pas fait ça. Il n'a jamais fait venir les deux impliqués pour leur faire comparaître avec les séquestrés, 10 séquestrés qui sont enfermés à la maison centrale. Vous voyez combien de fois la distinction là traverse sur la tête des 10 séquestrés. Pourquoi Charles Wright a fait ça? S'il y a la justice dans un pays, personne n'est au-delà de ça, tout le monde doit être dans de même pied, même égalité. Si c'est la justice. Donc le petit frère de colonel Mamadi Doumbouya là, il m'a dit, et son ami Mokhtar Kaba Skartapus, le fils de feu, tonton Sekou. C'est lui-même, c'est maintenant que j'ai compris
Le fils de qui, Scartapus? Il faut arrêter. Tu ne dois pas faire ça. Il faut aller dire la vérité à Mamadi. Ali et ses amis-là, c'est tes amis. C'est tes frères. Oui. C'est pour cela que j'ai dit la vérité à Mfamara, colonel Mfamara. C'est maintenant que je comprends de quelle famille cette Scartapus-là vient. Donc, quand ils ont impliqué les deux-là, ils ne se sont jamais présentés. Pourquoi Charles Wright a fait ça? Charles Wright, raison pour laquelle j'ai demandé à la, dans ma dernière vidéo, combien d'années de compétences Charles Wright a dans son travail-là. Parce que pour être un procureur de la République, il faut passer par des grades. Surtout, être magistrat, il faut passer par des grades. Il faut passer par des grades. C'est comme l'armée. Mais Charles Wright n'a jamais respecté notre justice. Je me demande pourquoi il est à la tête. Pourquoi il est à la tête? Ou bien c'est un ciblé de colonel Mamadi Doumbouya. Qu'il le fasse détester par la nation avant qu'on l'enlève dans son poste. Oui, Charles Wright là. Il doit tirer le son dans ma vidéo là. Charles Wright, quand les deux là ont été inculpés, il n'a jamais déposé les deux là pour faire comparer avec les 10 séquestrés là. Jusqu'à ce que le dernier combat est venu, lui-même, Bala Samoura est venu, il a donné l'ordre à ceux qu'on libère. Bab Ali et ses amis. Oui, Bala Samoura a fait ça. Il a fait ça. Il a l'habitude de s'entêter. Mais à la dernière position, Bala Samoura s'est retiré. Il veut maintenant que les 10 séquestrés, la sort, soient libérés. Maintenant, à notre fort étonnement, c'est le même Charles Wright qui vient poster quelque chose sur sa page. Avant qu'on commence à voir sur les pages, moi j'ai vu sur son page. Mais qui est derrière Charles Wright? C'est colonel Mamadi Doumbouya. C'est là qu'il m'a dit. À cause de 40 millions de francs guinéens, celui qui a cherché le pouvoir, il t'a montré que tu fais partir de sa famille. Il te prend comme son frère. Mamadi Doumbouya, la personne là cherche le pouvoir et te donne même une seule balle, tu n'as pas tiré. Tu n'as pas tiré le jour de coup d'état. C'est à cause de ce 40 millions là, l'accusation vide qui est portée à la tête des 10 séquestrés. Maintenant, qui rejette encore la libération des enfants-là? C'est Mamadi Doumbouya. C'est Mamadi Doumbouya. Parce qu'une vide bouteille comme Charles Wright, un bambin comme Charles Wright, a aucune force à piétiner la loi prise par la Chambre. Pourquoi Scartapus n'a pas été... s'est pas présenté. Pourquoi Bill s'est pas présenté? C'est Mamadi qui est derrière tout. Parce que Bill est son frère, Scartapus est son ami. Donc, c'est Mamadi qui est derrière Charles Wright, à menacer et à démigrer la décision prise par notre justice. Raison pour laquelle les séquestrés là sont dans la maison centrale jusque-là. Et bientôt, le mois de carême. Mamadi.
Donc, si j'entends la question de la radio et télévision, des choses et films FM, il faut que je vienne leur répondre. C'est à cause de 40 millions de francs guinéens. 40 millions de francs guinéens. Même les travailleurs de la radio FIM FM ou Grande Gueule ou la justice militaire ou civile peuvent cotiser. S'il n'y a pas quelque chose derrière ça, le jour de coup d'État, Bill a pris combien d'argent là-bas? Bill qui est en train de construire aujourd'hui à Koya, une femme s'est accouchée, elle a donné le nom de son enfant à Bill. Bill a donné une villa et une somme de 25 millions de francs guinéens à la maman. Où Bill a pris l'argent là? Vous voyez la distinction que les 10 séquestrés traversent aujourd'hui. Les 10 séquestrés là qui ont pris le pouvoir glacé et donné à Mamadi Doumbouya. Là, il m'a dit. Donc, si la radio FIM FM arrive à poser la question qu'il cherche à connaître à cause de combien le total qui a mis les 10 séquestrés là à la maison centrale, il faut que je leur réponde. C'est à cause de 40 millions de francs guinéens. Pendant que, après le coup d'État, Mamadi a fait une réunion de cabinet. Ils ont demandé à Mamadi ce qui s'est passé. Mamadi, même là, il m'a dit, même colonel Mamadi, facilement, moi, je l'appelle là, il m'a dit. Lui-même, il a dit à ses collaborateurs, pas 5, 6, 7, c'est plus de dizaines de personnes. Il a dit devant eux, il y a beaucoup de témoignages sur ça, que tout ce qui a été pris au palais Serretouria, ils ont tout remis à lui, lui-même, qu'il a déposé ça au trésor. On ne peut rien déposer à la banque, même aux États-Unis ici. Même si vous n'arrivez pas à rentrer dans la banque, vous vous arrêtez sur les guichets, faire un dépôt, mais le reçu va sortir sur la même machine. Mamadi, comment Mamadi a, pourquoi Mamadi a dit qu'ils ont tout remis à lui-même? Il a fait un dépôt au trésor. Maintenant, pourquoi les enfants sont, ces frères-là, pourquoi ils sont en prison? Pendant que lui-même, il a dit dans son entretien de cabinet, face à beaucoup de personnes, qu'il a tout déposé au trésor. Où est le contentieux? Pourquoi maintenant, commandant Babali Camara et ses amis sont en prison, séquestrés? Voyez ce que leur famille traverse aujourd'hui. Voyez-vous ce que la souffrance dont la famille des séquestrés la traverse aujourd'hui? Mamadi doit comprendre ça. Que Dieu ne dort pas. Le bienfait doit être payé par le bien. Ou reconnaître ce que la personne qui a fait du bien pour vous, reconnaît pour la personne. Mais Mamadi n'a pas été de la personne. Il n'a pas reconnu leur bienfait en lui donnant le pouvoir. Il n'a pas respecté les 10 séquestrés. Il n'a pas honoré les 10 séquestrés. La seule chose qu'il a pu faire, c'est faire accuser dans le vide les 10 séquestrés-là et leur mettre en prison, chercher même à tuer Babali Camara. Parce que l'appel de colonel Mamadi Doumbouya Lai Madi est rentré dans un téléphone par WhatsApp. Et tout a été capturé pour avoir assassiné commandant Ali Camara. La question est là maintenant. Qui est derrière le blocage de leur libération? Personne, c'est Mamadi Doumbouya.
À cause de combien? 40 millions de francs guinéens. Ça doit baisser la tête de Mamadi Doumbouya. Ça fait honte. Ça fait honte, Mamadi Doumbouya. Ça fait honte. Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Toi, tes enfants dorment aujourd'hui bien. Ta femme dort aujourd'hui bien. Ta maman dort aujourd'hui bien. Ta famille vit en VIP. Ceux qui t'ont donné le pouvoir, leur voix maintenant. Le monde leur voit maintenant. Combien de fois leur famille traverse la difficulté. C'est pas leur place là-bas. Mamadi Doumbouya. Mais Dieu ne dort pas. Donc si la radio FIM FM arrive à demander le total qui fait, qui séquestre les 10 personnes aujourd'hui, voilà le total. C'est 40 millions de francs guinéens. Qui peut vous dire que l'ordinateur de commandant Ali a été retrouvé dans la voiture de commandant Baba Ali Camara? C'est faux, c'est archi faux. Sa voiture n'était même pas là-bas le jour du coup d'État. Commandant Ali même qui criait sur Bill en lui disant « Qu'est-ce que tu viens faire ici, Bill? Tu n'es pas militaire. Qu'est-ce que tu fais ici ?» C'est celui qui Traoré qui s'est arrêté, qui a calmé Baba Ali, commandant Baba Ali ce jour-là, de laisser Billy. Il dit non, mais qu'est-ce que Billy fait ici? Après, Ali, commandant Ali a quitté. C'est ce Billy-là qui ramassait même les cravates du professeur Alpha Condé, qui a fait sortir les 30 millions d'euros. Beaucoup de choses. Et les 30 millions d'euros qu'ils ont pris au palais Sérouturéa ne vient pas de la Guinée. C'est l'argent qui a quitté de l'Arabie jusqu'à Guinée pour les soins du professeur Alpha Condé. Voilà. Deuxième cas. Je veux dire à Mamadi de respecter. Là, il m'a dit, colonel Mamadi Doumbouya, il faut respecter notre armée. Ils se sont assermentés pour notre pays. Il faut le respecter. Il faut respecter notre armée. Un ex-vendeur de cocaïne que Elhadj Seydoudaline a ramassé en France pour le faire rentrer en Guinée. Vous pouvez le laisser Ousmane Gawal comme ça. Vous pouvez, là. Yeah. Yes, my name is Sandy. I'm on the line. Please, please, I'm busy. Can you call me later? Okay. Excusez-moi. C'est ce même Ousmane Gawal qui se permet de faire des bêtises pareilles là. À notre armée. Mais Mamadi Doumbouya, là il m'a dit, il faut respecter l'armée guinéenne. Il faut le respecter. Non seulement vous avez porté notre tenue, vous-même, là il m'a dit, il faut dire à Ousmane Gawal de présenter ses excuses. Ce qu'il a fait comme ça, il a insulté toute l'armée guinéenne, y compris la police. Ça ne se fait pas. Quand j'ai vu la photo là hier nuit, j'ai remis ma tête. Je dis ça, c'est l'insulte. Il insulte l'armée comme ça. Ousmane Gawal, que Elhadj Seydoudaline a ramassé. Là où il était,
Il sait et il sait. Il était sur un point d'arrestation.